D'abord, bonne fête d'indépendance à tout le monde. Et puis, d'abord, je tiens à rappeler que cette réunion a été convoquée pour réfléchir sur quelque chose, un projet, une idée que j'ai eue, que je veux partager. Donc, il y aura la faisabilité, voilà, et ajuster les choses. C'est une grande idée qui se tient derrière tout ça. D'abord, je tiens à préciser que c'est de cette même manière à laquelle l'ICNC est née. J'étais un jour comme ça à la locodome, comme on dit, j'étais avec Christelle et puis un ami là. Et Michel était là aussi. Voilà. Et puis on a dit, il faut qu'on crée un truc. Voilà. On n'avait pas l'idée, on a dit une ONG qui a un rapport avec les médias, un truc comme ça. Et puis on a réfléchi, puis on a créé l'ICNC. Juste parce qu'on a cru. On n'a pas atteint nos objectifs. Mais en réalité, ça fait partie des idées pour lesquelles l'ICNC a été créée. Mais quand tu crées une association, légal. Donc maintenant on a nos papiers. Donc je veux juste rappeler que l'ICNC a été créé, c'est vrai, pour lutter contre les fake news. Mais c'est quelque chose qui a été créé pour que ça puisse nous rapporter de l'argent. Et l'argent, c'est pas 1000 francs des membres là, c'est pas ça. C'est en tout cas l'argent, quand on dit l'argent. Bon, l'argent, quoi. Donc, c'est à travers des concepts qu'on devait créer. Tout ça. Donc j'ai trouvé que c'est nécessaire, c'est maintenant. D'abord, on testait d'abord avec les activités combinées là. Je me rends compte que cette activité-là ne peut pas nous apporter grand chose. En tout cas, moi, je ne peux pas garder mon nom. Les activités qu'on fait, on a 300 000 qu'on reçoit pour pouvoir garder l'activité. Et puis peut-être qu'il va rester 50 000 qu'on va faire. Donc ça, c'est garder son nom. Donc j'ai pensé à ce qu'on puisse créer un événement qui sera pérenne. C'est-à-dire que c'est pour du bon, en fait. Tant qu'on existe, tant qu'on veut. Qui va nous permettre d'avoir de l'argent, mais aussi qui va permettre de réfléchir aussi sur notre champ d'action qui est lié aux médias, ce n'est pas lié au numérique. Donc c'est pour ça que je vous ai invité. Il est dans la douche comme ça, c'est là-bas, j'ai trouvé mes inspirations. Tout est dans la douche. Toujours dans la douche. En fait, dans la douche, c'est pas. Dès que je viens de rentrer dans la douche, en tout cas, quand j'ai une idée, c'est dès que je viens de rentrer dans la douche, l'idée vient en venue. Il faut améliorer. Voilà. J'étais le salon, d'abord au départ, c'était millénaire dans ma tête. Salon ivoirien du business et du numérique et des métiers du numérique, un truc comme ça. Maintenant, après, j'ai bien réfléchi, j'ai vu que tout ça, ça fait vraiment une chose, c'est le salon du e-business, c'est-à-dire du business en ligne, en fait. C'est différent du e-commerce, mais le e-business, le e-commerce, en fait. Les gens en Côte d'Ivoire, si on dit, on parle de business, le numérique, là, et pour c'est vendre des sous-vêtements en ligne, vendre des téléphones en ligne, vendre des voitures en ligne. Pourtant, il y a beaucoup de domaines. Créer un événement qui a pour idée comment avoir de l'argent dans tous les domaines à partir du numérique. Parler d'argent, c'est ça. Les gens qui veulent entreprendre, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est pour ça que j'ai convoqué cette réunion. Pour avoir les idées, pour qu'on puisse trouver la bonne formule, c'est-à-dire le terme exact. Si c'est salon, si c'est forum, si c'est quoi, je ne sais pas. En tout cas, on trouvera le nom, il y a beaucoup de trucs comme ça. Si c'est foire, il ne sait pas, on verra le vrai terme. Si c'est e-business, si c'est quoi, nous on doit ajouter quelque chose dessus, je ne sais pas. C'est un peu ça l'idée. J'avais même fait une réunion virtuelle, malheureusement. Il y avait que nous deux qui étions là, les autres ne sont pas encore arrivés. Maintenant, pour vous donner l'idée, pour que je puisse réfléchir à ça. C'est ça. À tout de suite, je vous laisserai le temps de bien parler. Et puis, je prendrai note. Et après la réunion, peut-être pendant la réunion, je vais créer un groupe WhatsApp. C'est vrai que c'est l'ICMC. Mais c'est pas le choix au monde de l'ICMC qui ne veut pas s'engager. Il est libre, en fait. Parce que ça ne rentre pas trop dans le cadre des activités de l'ICMC. Mais moi, je me dis, ceux qui veulent s'engager, ils savent pourquoi ils s'engagent.
ça faut pas qu'on se voit la face. Ça, ce n'est pas une initiative citoyenne. Une initiative citoyenne, en fait, c'est quelque chose qui est du bénévolat. En fait. Ça, c'est quelque chose pour avoir de l'argent. Donc, ceux qui veulent s'engager, disons, c'est un truc qui est événementiel. On va cacher les choses. Ça vient pour WhatsApp, ça va créer avec les personnes qui sont présentes. Et s'il y a d'autres réunions encore, si d'autres personnes viennent aux réunions, ils seront ajoutés au fur et à mesure. Et le jour, après plusieurs réunions, ça arrive souvent, hein. Mais moi, je sais que, bon, c'est vrai que je suis ambitieux, mais je sais que, j'ose croire, je ne suis pas pessimiste, mais je suis pragmatique. On ne pourra pas lancer cet événement à l'hôtel Ivoire. Ça ne peut pas miracle, en tout cas. Mais ce n'est pas de lancer dans un petit coin aussi. En tout cas, dans un coin où on pourra avoir beaucoup d'expositions. Et quand il parle e-business, les gens viennent exposer, les entreprises viennent vivre. Le 17, c'est quoi? Les entreprises viendront présenter leurs activités, les ambitions. Il faut qu'on peut venir exposer, disons, les services en ligne, tout ça. Mais en exposant, il nous apporte quelque chose aussi de l'argent, tout ça. Enfin, c'est un service en ligne, au fait. Donc, j'ai trouvé un bon cadre. Au moins, il y a des trucs comme Pan Club, tu vois, non. Mais c'est pas une grande salle, Pan Club, mais au moins, ça a Pan Club. Et puis, il y a les points pour exposer, des trucs comme ça. C'est ça l'idée, au fait. Au moins que la première édition puisse être quelque chose pour le budget, peut-être. Là, au moins, c'est pas beaucoup, mais c'est pas petit. Mais au moins, c'est qu'avec le temps, ça va bien donner. Mais si on fait, c'est vrai qu'on fait un petit truc de 200 000 dans un lycée, je vais même pas venir exposer. Même. Je vais même pas vous prendre au sérieux. Mais déjà, quand on voit un spot, on dit, salon dit e-business, c'est n'importe quoi, c'est pas encore validé, mais salon dit e-business, au PAM Club. Les gens même vous appellent, ils avaient un salon, même quand vous déposez des conseils pour être partenaire, ils sont prêts à vous apporter. Ça ne sera pas facile. Hein. Et pour ces gens tous là, il n'y aura pas de difficultés, mais ceux qui seront prêts à être de l'événement aussi, à, c'est un paquet aussi. On ne sait jamais, peut-être qu'il peut avoir une contribution de 20 000 par personne ou 10 000 pour louer la salle, je ne sais pas. Mais ça pourrait soit avoir remboursé ces personnes, ça pourrait être remboursé après l'événement, ou soit peut-être c'est dans d'autres éditions qu'ils pourront avoir leur argent, je ne sais pas. En tout cas, tout sera propre et bien, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est pour ça que j'ai convoqué la réunion. Laisse la parole. Tout le monde, vous avez tout le temps de parler. Particulièrement, moi je pense que l'idée est bonne déjà. Quand on parle de e-business. De nos jours, il y a plein d'entrepreneurs, hein. C'est-à-dire les entreprises qui existent déjà bien longtemps et même les PME et les personnes qui entreprennent, comme moi par exemple. On pourra peut-être venir participer. J'espère que le son ne sera pas aussi cher que ça. Donc je trouve que vraiment l'idée est bonne. On va voir ensemble la faisabilité et comment faire pour que ça soit au top. C'est un forum. Ce qui me concerne, déjà quand on parle de e-business, moi tout ce qui est business, tout ce qui est entrepreneuriat, ça me va en fait. Parce que je suis une preuve vivante de l'entrepreneuriat. Voilà. Et déjà, on peut dire c'est tout ce qui est en ligne. Voilà. Et moi, parce que toutes mes activités, j'ai démarré en ligne. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a certains qui sont déjà en présentiel, si on peut le dire comme ça. Voilà. Donc déjà, e-business, ça me va. Donc, je pense que par la suite, j'aurai beaucoup à dire là-dessus, sur le développement du projet. Donc là, on reste à l'introduction. Voilà.
Réunion de ça, je ne vais pas dire à quelqu'un des gens, il n'y a plus maintenant une ICMC pour dire réunion, réunion. Mais si je dis que ceux qui sont intéressés sont les personnes. Viens devant la pharmacie santé. C'est lui qui voudra participer dedans. Des salons, de forums, en tout cas des événements qui parlent du. Qui est spécialement sur le e-business. Il y a événements sur le e-commerce. Mais je me suis bien documenté aussi. Quand on parle de e-business, ça regroupe le e-commerce et puis d'autres activités. Mais parler de e-commerce, c'est pas forcément parler de e-business au fait. C'est un peu vague. Donc, c'est au Sénégal qu'il existe le salon de e-business de Dakar. Ici en Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est le salon du e-commerce et de l'innovation et des services digitales, un truc comme ça. Donc, on est maintenant face au nom. Qu'est-ce que vous proposez? Il ne s'agit pas de donner un nom pour donner, mais quand on donne un nom, c'est par rapport à quelque chose. Par rapport au contenu, c'est bien sûr ça. Donc, je vous écoute. Si vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut ajouter dessus, en plus de parler de e-business, on parle de innovation technologique, ou on peut ajouter communication, ou on peut ajouter, c'est pas danse, culture, c'est pas. Un truc comme ça. Et forum et puis salon, c'est quoi la différence? Il y a une différence que je ne maîtrise pas trop bien, mais j'ai l'idée. Parce que je me rappelle, on devait organiser un forum quand j'étais en licence 2. On devait faire salon et puis après on est passé à forum. En fait, le forum là, c'est plus des expositions. C'est plus des expositions. Et qui regroupe des gens du même secteur d'activité généralement. Généralement, c'est le même secteur d'activité. Il peut y avoir des panels, mais c'est plus des expositions. Le salon, là, c'est thématique. C'est pas forcément le même domaine. Mais c'est thématique, au fait, plusieurs secteurs. Mais c'est vraiment. Ce qui fait sa particularité, c'est pas l'exposition. C'est fait. C'est plutôt les panels qui ont lieu, au fait. Vraiment dans le salon. Et puis. Il y a un truc encore. Il y a les foires. Oui, les foires. Ça, même, généralement, mais il n'y a même pas d'exposition, même. Mais en fait, aujourd'hui, on utilise ces thèmes-là comme ça. Oui, moi je veux qu'on fasse la différence. C'est-à-dire qu'on voit déjà le thème. Tel qu'il est, c'est déjà. Moi, j'ai déjà bâti le forum, mais c'était pas d'exposition. C'était des panels seulement. Et puis après, il y avait les musées et une activité. Un salon peut s'adresser aux professionnels, visite accessible aux seuls professionnels du secteur considéré bâtiment, aéronautique ou au grand public. Il est parfois mixte avec des jours uniquement réservés aux professionnels. Moi, je crois qu'on va aller sur le thème salon parce que l'idée, c'est par exemple, si cette année, par exemple, notre thématique, je n'ai pas quoi, c'est sur la banque comme ça. Ça va regrouper beaucoup de professionnels de la banque. Ça veut dire qu'il y aura des expositions. Mais les thématiques vont beaucoup tourner autour de la banque, tu vois. Donc je crois qu'on va utiliser le thème salon. Maintenant, si vous avez des amendements. Qui est bon ça? Dites-nous tout. On comprend rien. Le bleu, le boss de la bosse. Le boss de la bosse. On comprend rien. Expliquez-nous de qui est le boss de la bosse. Je dis, expliquez-nous, c'est quoi qui est le boss? Le boss comme bosseur. Sinon, le premier boss, c'est le boss, tu vois. Non, mais le deuxième boss, c'est le boss de la bosse. Comment depuis quand on dit la bosse? Même pas le boss, on dit le boss. Déjà, tu as si bien dit ça, on peut dire. C'est la base de la chose. Voilà. Après, on va essayer de mettre dans les profondeurs, tout ça. En fait, pourquoi les gens ne viennent pas à la réunion? C'est parce que c'est qu'on fait à parler les gens. C'est la vérité. Maintenant, on crée quelque chose. C'est ce que je dis. Maintenant, c'est qu'on a créé. C'est affaire d'argent maintenant. Ouais, je vais marier ça là. Non. Non, mais ça. Ça fait d'argent. On ne peut pas tout le dire. J'ai dit ça fait d'argent. Non, je ne vais pas appeler tout le monde. Viens prendre là. Justement. Il y a comment? Viens ta propre personne. Viens qu'il vient sur dans la rue. C'est quand tu oublies là. Viens, on va dire Tina Gala. Il y a un bénéfice de lui. Il n'a pas qu'à 300 000. Il peut me dire le coût de 300 000. Ah, président. C'est comment? Il n'y a pas à prendre l'argent qui donne. Mais il n'a pas fait donner conseil à quelqu'un. T'as déjà une gamme de cordes, on va conseiller. Je ne sais pas donner conseil à Google. Qu'est-ce que ça signifie? Elle, là, c'est iPhone 14, c'est 11, donc elle dépose le bureau. C'est juste ça. Ah, c'est comme Mariam. Elle est fine de lasser. Non, vous mettez rien. Elle est fine de lasser. Je vais vous donner. Oui, c'est nous, c'est nous. Non, il y a une personne qui manque. Une personne.
mangez pas. Apprends tous les boulets que vous faites là. Hein. Alors, mais pourtant, vous êtes caméraman, quoi. Et dit, au moins, on sert à quelque chose. Le photographe est en pause. Laisse mon apprenti. Il faut que le poisson soit bien assassiné là-haut. Thank you.